salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on me pose extrêmement souvent. Donc c'est peut-être un message sur deux que je reçois donc par mail ou sur Facebook, etc. C'est comment commencer une collection Harry Potter. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc tout d'abord les objets en eux-mêmes et ensuite la disposition de vos objets. Donc tout d'abord pour ce qui est des objets, on a deux types d'objets. Donc on a vraiment les objets type, objets de collection que l'on peut trouver sur les sites par exemple comme Noble Collection, et ensuite les objets type goodies qui sont catégorie vraiment produits dérivés. Pour ce qui est objets type objets de collection, je vous conseille de les acheter sur le site Noble Collection. Donc vous verrez, il y a vraiment tout ce que vous pouvez trouver en objets Harry Potter, objets vraiment de collection. Ensuite vous pouvez par exemple acheter aussi sur Amazon. Donc Amazon, qui aura comme fournisseur Noble Collection. Ensuite, il y a également un autre site qui propose des objets de collection, c'est Ciné Replica. Donc il y a des extraits de ces sites qui s'affichent juste là et tous les liens seront en barre d'infos. Donc ensuite, bien sûr, commencer une collection Harry Potter ou quel que soit le thème de votre collection, ça demande un budget. Comme vous pouvez le voir sur le site, les baguettes, même les objets les plus simples, que ce soit un marque-page ou une baguette, tout est assez cher. Donc si vous êtes assez jeune, il va falloir convaincre vos parents de vous acheter ces produits. Et donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la chaîne Harry Potter 95. Donc ce sont les jumeaux du Potter Show et Maxime qui l'ont réalisé et qui vous donnent des conseils pour convaincre vos parents de vous acheter des produits Harry Potter. Donc allez la voir, elle est vraiment super. Donc je vous parlais un peu d'argent, donc si jamais vous n'avez pas les moyens vraiment de vous acheter les produits sur Noble Collection, il existe quelques petites astuces qui est tout d'abord donc de les acheter sur des sites de vente d'occasion, donc comme Le Bon Coin ou eBay. Bon, bien sûr, sur ces sites, il faut toujours être un peu méfiant puisqu'on ne sait jamais sur quel genre de vendeur on va tomber. Mais je peux vous dire que la plupart de mes objets de collection Harry Potter, que ce soit baguettes, écharpes ou autres, viennent du Bon Coin. Je n'ai jamais eu de problème. Après, bon, faut savoir un peu dénicher quand il y a une entourloupe. Ensuite, ça ne vous embête pas de ne pas avoir d'objet officiel. Par officiel, j'entends déposé par Warner Bros. Vous pouvez acheter des contrefaçons entre guillemets qui sont disponibles sur certains sites et qui franchement des fois sont vraiment pas mal. Donc je vous conseille deux sites. Donc on a eBay, je vous en ai parlé tout à l'heure, et un autre qui est franchement super, c'est AliExpress, et donc qui propose vraiment pas mal de choses, des capes, des baguettes, des bijoux, surtout des bijoux qui sont vraiment top. Ensuite il y a Etsy. Bon, Etsy c'est pas encore pareil, c'est un peu le même genre que AliExpress, sauf que c'est un peu plus cher Etsy, et qu'en plus de ça il y a des objets faits main. Donc après je vous laisse faire votre choix, je vous ai donné les bonnes adresses, tout sera en description comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors ensuite on me demande beaucoup, c'est par quoi commencer sa collection. Alors je vais vous donner mon avis personnel, après vous ne pouvez ne pas le suivre, vous faites comme vous voulez. Donc moi je commencerai par trois objets, ce serait donc déjà l'écharpe ou la cravate de votre maison, la baguette de votre personnage préféré et un objet qui se rapporte à votre personnage préféré. Donc par exemple moi j'avais commencé ma collection avec l'écharpe de Gryffondor, la baguette d'Hermione et le retourneur de temps. Après, rien ne vous oblige à acheter ces trois objets en même temps. Vous pouvez, ça peut être vos trois premiers objets. Par exemple, vous achetez l'écharpe de Gryffondor, un mois plus tard la baguette d'Hermione et trois mois plus tard le retourneur de temps. Enfin voilà. Et d'ailleurs, les jumeaux et Maxime du Potter Show ont également fait une vidéo sur par quoi commencer votre collection. Donc ils disent pas vraiment la même chose que moi, mais si vous voulez un avis différent, je vous invite également à aller voir cette vidéo. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existait également d'autres produits de collection, d'autres produits Harry Potter, ce sont les goodies. Donc je vous disais, c'est tout ce qui est un petit peu objet du quotidien style Harry Potter. Donc ça peut être une couverture, ça peut être des pantoufles, ça peut être du parfum Harry Potter, ça peut être tout. Et donc, si vous voulez, la folie Harry Potter est un peu passée. Et donc on ne peut plus vraiment trouver ces objets en magasin, sauf vraiment exception. Et donc le seul moyen de le trouver, ce serait sur des sites d'occasion comme Le Bon Coin ou eBay. Et moi personnellement, c'est ce genre d'objets, je les achète en brocante. Et on peut les vraiment trouver pour des prix dérisoires. Et c'est ça l'avantage de ces objets, c'est que vous voyez, les objets de collection comme sur Noble Collection, etc., sont toujours un peu chers.
Tandis que les goodies, vous pouvez facilement vous en sortir pour 1 ou 2 euros pour un petit truc assez sympa. Après, ça dépend, tout le monde ne veut pas s'acheter ce genre d'objet. Il y en a qui trouvent ça complètement ridicule et puis je peux les comprendre. Mais moi, personnellement, j'aime bien avoir ce genre de petits objets chez moi qui rappellent un peu tout Harry Potter. Enfin, donc par exemple, vous voyez, moi j'ai des pots à crayons Harry Potter qui sont posés sur mon bureau. Ça peut être un exemple de goodies. Alors ensuite, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est la disposition de votre collection. Alors si vous avez la chance d'avoir un grand espace, c'est-à-dire enfin, une pièce entièrement libre, comme moi, ben, vous pouvez disposer votre collection dans une pièce entière. Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup d'objets dans ce cas-là, donc ça peut, après beaucoup d'années de collection. Mais donc si vous avez la chance, enfin, je trouve ça génial de pouvoir recréer une pièce à l'effigie de l'univers qu'on aime. Donc si vous avez l'occasion de le faire, c'est vraiment bien. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir une pièce entièrement libre, ben, la seule solution qui vous reste, c'est de disposer votre collection dans votre chambre. Donc là, deux possibilités s'offrent à vous. Donc soit vous l'éparpillez un peu partout dans votre chambre, donc enfin... Comment vous expliquer? Enfin, vous voyez là derrière moi, donc j'ai un peu des objets là, enfin j'en ai un peu partout autour de moi. Donc ça peut être une solution. Donc ensuite, comment ranger vos objets? Donc j'entends par là, comment les présenter? Voilà, c'est ça, comment les présenter? Donc, alors moi j'ai essayé un peu de tout. Donc avant je les classais par personnage, donc par exemple vous faites un coin Harry, un coin Voldemort. Après une autre solution c'est de faire par film, alors moi c'est ce que j'avais fait, donc j'avais fait un coin par exemple à l'école des sorciers, où j'avais mis le Poudlard Express, la lettre d'acceptation à Poudlard, ensuite par exemple pour la chambre des secrets j'avais mis une représentation du seul cogneur, la Ford Anglia, le journal de Tom Jedusor, etc, etc. Donc ça peut être des petites solutions assez sympas. Donc voilà, c'est des conseils que je pouvais vous donner et j'ai un petit bonus à vous rajouter pour la fin. C'est pour agrémenter votre collection à moindre coût, c'est de vous faire des paper props. Donc les paper props, pour ceux qui ne connaissent pas, des petites décorations Harry Potter imprimables. Donc il y en a plein sur internet, vous tapez paper props Harry Potter sur Google, vous allez en trouver des milliers. Et donc ça peut être la carte du maraudeur, ça peut être le livre avant cette potion, ça peut être des magazines, ça peut être des livres Harry Potter. Et donc vous imprimez, vous bricolez, vous collez, enfin voilà, vous faites plein de trucs et ça peut faire vraiment super joli si vous rajoutez à vos objets de collection. Ça peut faire vraiment super beau. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer des photos de votre collection sur Twitter à l'adresse qui s'affiche juste là, comme ça je pourrai un peu voir à quoi ressemble votre collection. Et donc si vous avez des petites choses à rajouter quant à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et peut-être que dans quelques mois je ferai une vidéo update où donc je remettrai la vidéo à jour avec les conseils que vous m'aurez donnés. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.